La reine Rania était particulièrement en beauté, jeudi dernier à Amman, dans sa robe bleue nuit et fuchsia, pour le 72e anniversaire de l'indépendance de la Jordanie. Chaque année, le 25 mai, la Jordanie fête son indépendance. C'est en effet le 25 mai 1946 que ce pays, sous mandat britannique depuis 1922, est devenu un royaume totalement indépendant. A la veille de cette journée anniversaire, une cérémonie s'est déroulée au palais à Lucénia à Amman. Cérémonie à laquelle le roi Abdallah II et son épouse la reine Rania ont participé avec deux de leurs quatre enfants, le prince héritier Hussein, 23 ans, et la princesse Salma, 17 ans, qui vient tout juste d'obtenir son diplôme de fin d'études de son lycée. L'International Academy d'Amman, était en effet aux côtés du couple royal, toujours étudiante à l'université de Georgetown à Washington, leur sœur la princesse Iman, 21 ans. Manquait cette année encore à l'appel, de même que le Benjamin de la Fratrie, le prince Azem âgé de 13 ans, la Reine Rania et le roi Abdallah II de Jordanie avec la princesse Salma Amman, le 24 mai 2018 droit d'auteur Sheurstock Baroblixi Parania arborait une robe en soie chatoyante griffée layer by the modest, comme les années passées pour cet événement, la reine Rania avait accordé une attention toute particulière à son look, pour ce 72e anniversaire de l'indépendance de la Jordanie. La femme du souverain avait opté pour la robe Serafima de la nouvelle marque Layer by the Modiste. En soie chatoyante et inspirée d'une abaya orientale, celle-ci, de couleur fuchsia, présente une large bande bleue nuit au centre, ainsi qu'un col et des poignets bicolores. Retrouvez tous nos articles et diapos sur la reine Rania de Jordanie ici, toute reproduction interdite.